Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre programme de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour chercher encore la face de Dieu. La parole de Dieu de nous chercher de tout notre cœur. Merci Seigneur. Nous vous invitons de participer à notre réunion d'aujourd'hui. Joignez-nous dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, merci. Nous saluons ta présence, grand roi. Laisse que ton nom soit élevé, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Pangola Nzambe, Koumissan Nzambe, Sikozali. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Le deuxième jour à programme Nabiso. Deux Koumissan Nzambe, deux Koumangola Nzambe, Poazamalam. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Papa, sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce que tu es le seul véritable grand Dieu. Yesu Kumbama, Yesu Netolama. Yesu Pambolama, de Kolanga, nous vous invitons. Partageons ce moment agréable à la présence de Dieu. Invitons nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans sa présence. Parce que le roi des rois, il est au rendez-vous, il est avec nous. La parole nous déclare, cherchez les ténèbres en eux qui se trouvent. Invoque l'étendue, ce qu'il est prêt. Le roi des rois, il est là avec nous. Il est là, il est partagé ce moment agréable avec nous. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons tous de participer dans la présence de notre Seigneur. Mon frère et soeur dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant débuter notre programme d'aujourd'hui. Nous vous demandons d'incliner vos têtes dans la présence de Dieu. Nous vous invitons de partager ces moments agréables dans la présence de Dieu. Comme la parole nous déclare de nous approcher avec tout notre cœur, approchez-nous avec un cœur sincère, un cœur rempli de foi, un cœur ayant confiance en l'Éternel, un cœur pur devant Dieu. Merci Seigneur. Là où tu es, commence à prier, recommande ce moment entre les mains de l'Éternel. Abandonne ce moment entre les mains de l'Éternel. Demandez la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous inspire, nous guide. Là où tu es, commence à prier. Salue la présence de Dieu. Recommande-lui ce moment. Demande sa direction. Dis à Dieu de te disposer dans sa présence. Dis à Dieu, oh Seigneur, oui Père de gloire, de t'orienter. Dis au Saint-Esprit de te fortifier. Dis à Dieu de te mettre à part pour la gloire du Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te prions, Seigneur, nous te bénissons. Papa, laisse que ton nom, oh Seigneur, soit élevé au milieu de nous. Seigneur, nous voulons bénir ta présence, Seigneur, oui Père de gloire. Nous qui sommes réunis dans ta présence, oui Papa. Comme la parole nous déclare, ô Seigneur, qu'il est doux, agréable de frère de demeurer ensemble. Seigneur, nous sommes ensemble ici, Seigneur, pour ton nom, oui Père. Seigneur, nous sommes réunis ici à cause de ton nom, oui Père de gloire. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour ta gloire, ô grand roi, Seigneur. Voilà pourquoi, ô Seigneur, oui Père de gloire, unifie-nous dans ta présence, Seigneur, oui Père. Laisse que ton unité, oui Père, demeure dans nos cœurs, Seigneur.
Nous voulons être même, nous voulons avoir la même pensée. Nous voulons être unis comme tu es avec le Père. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. L'Esprit du Très-Haut soit avec nous. On a besoin de toi, on a besoin de ta présence. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, oui, grand Dieu. Mon frère, là où tu es, commence à prier. Là où tu es, béni le Dieu Tout-Puissant qui t'a accordé cette faveur. Là où dis à Dieu merci pour la journée d'aujourd'hui. Bénis le roi des rois pour cette occasion qu'il t'a donnée. Dis à Dieu merci au Seigneur pour sa faveur et l'opportunité qu'il nous a donnée. Éternel grand Dieu, je viens te bénir. Merci Seigneur, c'est toi qui as la capacité, ô Père de gloire, de nous diriger vers la gloire de Dieu. Ô Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit de Dieu, ô Seigneur, nous espérons qu'à toi. Dieu le seul aide, ô oui, Père de gloire, qu'on peut avoir. Saint-Esprit de Dieu, oui, Père de gloire, c'est toi qui nous rend capables. Dirige nos prières, Papa. Dirige-nous de la gloire de Dieu, ô Seigneur Dieu. Père, tu connais nos pensées, tu connais nos voix. Seigneur, tu sondes nos cœurs, oui, Père de gloire. Quand on est dans le bon ou dans le mauvais, ô Seigneur, ô Père. Nous nous présentons devant toi, ô Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous de ta présence, Père. Père, sanctifie-nous de ta présence, ô grand roi. Papa, nous voulons contempler ta grandeur et ta bonté. Seigneur, oui, Père de gloire, nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Papa, va interpeller, va toucher nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous actuellement, Papa, qui ne sont pas encore avec nous, ô notre Dieu. Nous voulons, ô Seigneur, oui, Père de gloire, Papa, être avec eux, mais nous sommes incapables de les, ô Seigneur, les amener vers nous, Seigneur. Mais Saint-Esprit de Dieu va toucher, Papa. Saint-Esprit de Dieu va interpeller, ô notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu va rappeler ton peuple, ô qui ont oublié. Papa, nous voulons, ô Seigneur, oui, Père de gloire, voir ta puissance se manifester au milieu de nous, oui, Père. Papa, laisse que ton règne vienne au milieu de nous. Laisse que ta gloire se manifeste, ô Papa, oui, Père de gloire, ou dans ce lieu, ô Seigneur, oui, Père. Parce que la parole nous déclare, Seigneur, dès où tu as réuni en ton nom, tu es au milieu d'eux. Papa, quand tu es là, ô Seigneur, oui, Père, Père, ta présence nous comble, ô grand roi. Ta présence nous bénit, Seigneur des anges. Papa, nous bénissons ces moments, oui, Père. Mon frère, là où tu es, commence à bénir ton Dieu. Mon frère, là où tu es, commence à exalter les rois des rois. Mon frère, là où tu es, commence à élever le nom du Tout-Puissant. Seigneur, nous t'élevons, ô Seigneur Dieu. Père, nous te saluons, oui, Père, parce que tu es roi. Nous te saluons parce que tu es le bon berger. Nous te saluons parce que, oh, c'est toi le souffle de vie, Papa. Si nous sommes ici, Seigneur, ce n'est pas à cause de nos forces, Papa. Merci, oh, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, oui, grand roi. Papa, laisse que la gloire te soit rendue. Laisse que l'honneur te revienne, oh, Seigneur. Mon frère, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à lui rendre grâce parce qu'il est bon. Commence à lui remercier à cause de sa bonté, sa fidélité. Reconnais ses bienfaits, oh, Seigneur. Ce qu'il a fait dans ta famille, ce qu'il a fait dans ta maison, ce qu'il a fait dans ta santé, ce qu'il a fait, oh oui, Père de gloire, Papa, depuis le matin jusqu'à présent, mon frère, là où tu es, bénis le nom de l'Éternel, sois reconnaissant devant ton Dieu, sois reconnaissant envers Dieu, sois reconnaissant devant Dieu, même dans des petites choses, sois reconnaissant, même dans des moments difficiles, sois reconnaissant, parce que la parole nous dit, c'est lui seul qui donne le souffle de vie, c'est lui seul qui donne la force et la vigueur. Seigneur, nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Père, nous te rendons gloire cet après-midi, Papa. Merci de tout ce que tu as fait, oui, Père de gloire. Papa, tu as fait de grandes choses, ô Seigneur. Papa, que l'œil n'a pas vu, oui, Père. Merci, ô Seigneur, oui, Père. La parole nous dit, Seigneur, oui, Père, que sans le ténèbre qui nous protégera, Israël, ils disent, Papa, tu es le seul bon berger, tu es le seul protection, ô Seigneur, de nos vies. C'est toi notre rempart, ô notre Dieu. C'est toi notre bon berger, ô Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci, Papa. Papa, si nous regardons ce que tu as fait, oui, Père de gloire, tu nous as protégés, oui, Père de gloire. Nous qui étions dans des véhicules, Papa, dans des bus, ô oui, Père, tu nous as épargnés de tout danger, Père de gloire. Ce n'est pas à cause de nos êtres, Seigneur. Mais ta main puissante, Seigneur Dieu, est venue à notre protection, Papa. Tu es notre secours et notre abri. Oh Seigneur, nous te bénissons. Mon frère, bénis le nom de l'Éternel. Sois reconnaissant devant lui. Sois reconnaissant de ce qu'il fait. Sois reconnaissant de ce qu'il fait dans ta famille. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour la paix que tu nous accordes, Père, merci pour la vigueur que tu nous fais, merci ô Seigneur Dieu,
Parce que oui, Père de gloire, comme la parole nous dit, Seigneur, oui, Père de gloire, que nous sommes réunis, ô Papa, nous sommes renouvelés de ta gloire, nous sommes renouvelés de ta bonté. Ô Seigneur, merci. Nous disons que tu es bon, nous disons que tu es bon. Papa, personne n'est comme toi, Papa. C'est toi l'ami fidèle, oui, Père. C'est toi le seul ami fidèle, Papa, qui ne déçoit jamais, qui ne délaisse pas, qui n'abandonne pas, Papa. C'est pourquoi nous disons merci, ô Seigneur. Nous savons que oui, Père de gloire, Papa, que le monde nous abandonne, oui, Père. Nous savons que oui, Père de gloire, même les amis peuvent nous abandonner, mais tu es le seul Dieu fidèle et juste, Père. C'est pourquoi nous te bénissons, Papa. Yone mon linga malamu, yone mon tembis malamu. Ô Seigneur, oui, Père de gloire, nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, toi qui es le haut, Seigneur, oui, Père, notre abri et notre refuge, ô notre roi. Merci, ô Seigneur Dieu, tu es le bon pourvoyeur, Papa. C'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui donnes à manger et à boire. Comme la parole nous dit, ô Seigneur Dieu, oui, Père de gloire, Seigneur Dieu, bénissez-lui à cause de sa bonté et sa fidélité. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, ta bonté durera toujours. Ta fidélité durera toujours, Papa. Merci, ô Seigneur. C'est toi qui donnes nourriture à toute créature, Papa. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire, Papa. Papa, c'est tout, Papa, le que tu as donné. Le manger que tu as donné, oui, Père de gloire, qui est ta parole, Seigneur Dieu. Le manger que tu as donné, qui est ton corps, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous qui avez faim. Ô Seigneur Dieu, vous qui avez soif. Ô Seigneur Dieu, nous sommes venus devant toi. Nous qui avons soif, nous qui avons faim de ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole, Seigneur, oui, Père. Seigneur, oui, Père de gloire, puisqu'elle réellement, ô Seigneur Dieu, nous satisfaire, Papa, que nous puissions être rassasiés, que nous puissions être satisfaits de ta présence, Père. Nous saluons ta présence, mon frère, là où tu es. Commence à bénir la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Bénis sa présence au milieu de nous, car la parole nous dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te saluons, Papa. Nous contemplons ta présence, Père. Nous sommes rassurés. Nous sommes dans la joie quand on est avec toi. Nous sommes protégés, nous sommes épargnés, nous sommes bénis, nous sommes restaurés. Nous sommes, oh oui, Père de gloire, Papa, dans la paix avec toi. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, c'est toi le seul ami fidèle, notre compagnon, c'est toi, notre réconfort, c'est toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Papa. Oh Seigneur, sois béni, Papa, sois exalté, Papa, sois élevé. Oh Seigneur, mon Dieu, merci, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon Dieu, merci mon pourvoyeur, merci mon appui, merci ma force, merci mon abri. Oh Seigneur, oui, Père, Papa, qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi. Tu es le seul ami, tu es le seul ami qui a accepté de donner sa vie pour ses bien-aimés. Oh Seigneur, merci. Quand je vois l'œuvre de la croix, Papa, cela me pousse à t'adorer, parce qu'à la croix, Papa, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu nous as donné la victoire. C'est pourquoi nous te bénissons. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, je viens te bénir, je viens t'exalter, je viens te louer. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Il n'y a pas un Dieu bon comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci de ta bonté. C'est magnifique dans ma vie, Papa. Moi qui étais mort à cause de mes péchés, moi qui étais mort à cause de mon ancienne vie, mais toi, ô Seigneur, t'as manifesté ton amour, Seigneur Dieu, à mon égard, Papa. T'as accepté de mourir, Seigneur, à ma place, Père. T'as accepté de souffrir à cause de mes péchés. C'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci, Papa. C'est toi le rédempteur. C'est toi le rédempteur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Père, sois élevé. Papa, sois béni. Papa, sois exalté. Alléluia. Merci, merci, merci. Mon frère, bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Lui sans reconnaissant. Regarde ce qu'il a fait. Reconnais ses œuvres. Reconnais, ô Seigneur Dieu, sa bonté. Père, nous te louons à cause de tes hauts faits. Nous te louons, Seigneur, à cause de tes œuvres, Papa. Des œuvres très majestueuses. Ô Seigneur Dieu, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Yesu Pambolama. Mokonzo Netolama. Mokonzo Kumisama.
mama, pozali nzambe, ozali mosungi, ozali mobateli, ozali ekimelo, yone makasa basantu, yone elika basantu, papa nous te bénissons, c'est toi la force des saints, c'est toi la force des saints, oh Seigneur Dieu, nous te bénissons papa, c'est toi notre appui, nous te bénissons papa, c'est toi notre oui père de gloire bon berger, nous te bénissons Seigneur, c'est toi notre rédempteur, nous te bénissons, c'est toi la solution à nos problèmes, hein. Nous te bénissons, oh Seigneur Dieu, comme la parole nous dit, c'est toi le consommateur de notre foi, oh Yahweh, merci, merci Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, alléluia, merci, on a besoin de toi, mon frère là où tu es, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le consolateur des âmes. Parce que c'est lui qui opère de grandes choses. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui change tout. C'est le Saint-Esprit. Comme la parole nous dit, il a dit à Ézéchiel de prophétiser. Et quand il a prophétisé, le Saint-Esprit, il a ramené à la vie ce qui était mort. Quand il a prophétisé, l'Esprit a donné naissance à ce qui était mort. Le Saint-Esprit est capable de renouveler. Le Saint-Esprit est capable de refaire. Le Saint-Esprit est capable de rebâtir. Voilà pourquoi on a besoin de lui. Mon frère, là où tu es, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit est comme l'eau. Et le Saint-Esprit est comme l'eau. Comme le corps a besoin de l'eau. Comme nos vies ont besoin de l'eau. C'est pareil au Seigneur Dieu. Que notre vie spirituelle a besoin du Saint-Esprit. Là où tu es, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est indispensable dans ta vie. Il est indispensable dans ta vie. Tu peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne pas, oh Seigneur, lui Père de gloire. Vois la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi là où tu es, commence à dire au Saint-Esprit. Commence à l'inviter. Commence à l'inviter. Commence à l'inviter. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. La parole déclare. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais l'Esprit vivifie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ne compte pas sur ta chair. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes voix. Ne compte pas sur ta force. Mais compte sur le Saint-Esprit. Compte sur le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Père de gloire, Papa. Comme tu as dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par l'épée, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Très-Haut. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Mon frère, là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu de te revêtir de la puissance de Dieu. Dis à Dieu de te revêtir de sa gloire. Dis à Dieu de te revêtir de ce haut papa. De cette gloire, Seigneur et Père, commence à nous oindre. Oh Seigneur Dieu, nous sommes de ta présence. Nous sommes de ta présence. Mon frère, là où tu es, demande au Saint-Esprit, demande à la puissance de Dieu de te revêtir. Comme la parole nous dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur par la puissance, oh Père de gloire, par la force puissante de Dieu. Oh Seigneur Dieu, Père, réveille-nous, Papa, réveille-nous des âmes spirituelles. Mon frère, tu as besoin des âmes spirituelles. De mon frère, pour vaincre les âmes du diable, pour vaincre l'ennemi, tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole nous dit de nous revêtir de toute âme spirituelle afin de pouvoir tenir contre le ruse du diable. Oh Seigneur Dieu, Papa, on a besoin de toi. Père, on a besoin de toi. Père, pour voir la restauration, pour voir la guérison, on a besoin de toi. Nous t'invitons, Papa, dans ces prières, Papa, nous t'invitons. Père, viens, et au Saint-Esprit, manifeste-toi. La parole déclare que tu es omnipotent, tu es omnipotent, tu es omnipotent. Oh Saint-Esprit, les malades ont besoin de toi, les malades ont besoin de toi, les désespérés ont besoin de toi, les
pauvres ont besoin de toi, les dominés ont besoin de toi, oh Seigneur, les opprimés ont besoin de toi, les persécutés ont besoin de toi, les désespérés ont besoin de toi, oh Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, ces soeurs, on a besoin de toi, mon frère prie, 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 parce que c'est le Saint-Esprit, comme on avait lu hier, le livre d'Ézéchiel chapitre 37, le Saint-Esprit avait donné la vie au décement de sécher, mon frère, nous parlons pas de la résurrection ou de la mort, mais nous parlons de la restauration, nous parlons de la restauration, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire encore, il est capable de rebâtir encore, il est capable d'agir, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon Anzambé, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Très-Haut, oh Seigneur Dieu, l'Esprit Père, qui est la promesse de l'Église, c'est toi la promesse de l'Église, c'est toi la promesse de l'Église, la parole dit, et puis Christ dit à ses disciples d'attendre un autre consolateur, que le Saint-Esprit, l'Église est la fin de la fin, le but du temps de la fin, a besoin de toi, a besoin de toi, a besoin de toi, a besoin de toi, on a besoin de toi. Seigneur, nous sommes, Père, incapables, nous sommes incapables, nous sommes incapables, nous sommes incapables, nous sommes faibles, nous sommes faibles. C'est pourquoi nous t'invitons, c'est pourquoi nous t'invitons. Père, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. L'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui restaure, l'Esprit qui restaure, l'Esprit qui bénit. Ô Saint-Esprit de Dieu, nos vies, Père de nos familles, l'Église, ton peuple, Seigneur, il a besoin de toi. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous t'invitons, Père de gloire, d'être au centre. Nous t'invitons, ô Seigneur Dieu, d'être, ô Seigneur Dieu, celui qui va faire de grandes choses. Seigneur, merci. Viens, Seigneur. Saint-Esprit, viens, merci. Viens, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Car tu es vivant. Saint-Esprit. Tu es vivant. Alléluia. Si nous avons la merci, Saint-Esprit. Tu es vite à nous. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en moi. Mon frère, nous prions. Tu es le Seigneur, le Père a dit. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui me donnera un corps nouveau. Il me donnera un esprit nouveau. Alléluia. C'est l'Esprit, Saint-Esprit qui régénère. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit, oh, qui sait enlever le mal à nous. Voilà pourquoi on a besoin de nous. L'Esprit qui régénère, mon frère, tu as besoin d'être régénéré. Tu as besoin de changer. Tu as besoin d'avoir une vie glorieuse en Christ. Toi, ce que tu ne peux pas. C'est pourquoi nous l'implorons, Papa. Père, nous sommes une vase de terre. Nous sommes une vase de terre, Seigneur Dieu. Père, c'est toi le trésor qui est en nous, Saint-Esprit. C'est toi, ô, l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi nous te laissons, Seigneur. Mon frère, là où tu commences à prier, dis au Saint-Esprit de vivre en toi. Dis au Saint-Esprit de vivre Christ en toi. Oh, dis au Saint-Esprit d'amener l'obéissance en toi. Merci, parce que toi-même, tu ne sais pas être obéissant. Merci, tu ne sais pas vivre la vie de Christ. Merci, tu ne sais pas voir la gloire de Dieu sur toi-même. Mais tu as besoin de lui. Merci, commence à prier là où tu es. Merci, dis au Saint-Esprit, je suis qu'un instrument. Merci, mais laisse, oh oui, Père, ta vie en moi. Merci, laisse que ta gloire se manifeste en moi. Saint-Esprit, je viens comme où il perd un instrument, Père de gloire. Qui a besoin où il perd de gloire de voir la gloire de Dieu. Papa, je me laisse entre tes mains. Je vais dépendre que de toi. Mon frère, prie là où tu es. Tu as besoin de l'influence du Saint-Esprit. Tu as besoin de la mouvance du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit vive en toi. Que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu en toi. Que le Saint-Esprit te change, te donne la nature de Christ. Prie là où tu es. Mon frère, prie là où tu es. Prie là où tu es. Ô Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. Papa, on a besoin de toi, Papa.
Père, être rempli du Saint-Esprit, c'est un désir. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une volonté. Être rempli du Saint-Esprit, papa, c'est un désir, papa. Père, on a besoin de toi, Seigneur. Père, on a besoin de toi, oui, Père de gloire. On a besoin de toi, ô Seigneur Dieu. Père de gloire, comme ces ossements desséchés, Père qui n'avait pas l'eau, Père. Mais la parole nous dit, Saint-Esprit, que tu es l'eau, tu es haut, que tu es l'eau, ô Saint-Esprit. La parole nous dit, oui, Père de gloire, Père, si on croit en toi, papa, Père, tu couleras, oui, Père de gloire, l'eau, tu couleras le fleuve d'eau vivant dans nos cœurs. C'est pourquoi nous t'implorons, Saint-Esprit. Viens à nous, oui, Père, parce que tu es indispensable dans la vie. Oh, Saint-Esprit, nous t'implorons. Papa, moi-même, je ne sais pas vivre la vie chrétienne. Moi-même, je ne sais pas vivre une vie glorieuse. Moi-même, je ne sais pas craindre, oh Dieu. Moi-même, je sais pas, je suis incapable, Père, de voir le surnaturel. Mais on t'implore, Seigneur, nous te demandons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, papa, viens agir. Viens agir dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu. Amène la joie au Père de gloire. Dans nos cœurs attristés. Saint-Esprit, amène la joie en nous. On a besoin de ta nature, Père. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Père, cultive en nous, Papa. Le caractère de l'enfant de Dieu. Cultive en nous, ô Seigneur Dieu. Un caractère chrétien, Papa. Nous voulons avoir la nature du Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu. Fais cela en nous. Saint-Esprit, on a besoin de toi. De la rapport de l'Esprit aux alliés, là où tu y es. Mon frère, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier, mon frère. Je ne sais pas tes besoins. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas tes problèmes. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est à tes côtés. La parole nous dit, ô Seigneur Dieu, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître de nos besoins et nos supplications. Là où Dieu commence à prier, là où Dieu commence à prier, nous sommes venus chercher Dieu, nous sommes venus chercher la main de l'Éternel, nous sommes venus l'implorer, nous sommes venus, ô Seigneur Dieu, que Dieu agisse dans nos vies. Ô Seigneur, on a besoin de toi, papa, on a besoin de toi, on a besoin de toi, papa, on a besoin de toi, ô Seigneur Dieu. Mon frère, prie à Dieu, mon frère, prie à Dieu, mon frère, prie à Dieu, car la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Je ne sais pas tes problèmes, mais ce que j'ai à te dire, de te miler donc sous la main puissante de l'Éternel, afin d'obtenir miséricorde, afin d'être élevé au temps convenable. Tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu te restaure, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu restaure ta santé, tu veux que Dieu ouvre ton solution à tes problèmes. Il faut que tu t'approches à lui, il faut que tu t'humilies à lui, ô Seigneur Dieu. Mon frère, confie-toi à l'Éternel, confie-toi au Saint-Esprit, confie-toi au Saint-Esprit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne garde pas tes problèmes, ne résiste pas au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit, car la parole nous dit de nous humilier devant lui, de nous humilier sous la main puissante de l'Éternel, afin d'être élevé au temps convenable. Ô Seigneur Dieu, Père, ouvre le ciel, Père, mon frère là où tu es, commence à prier, commence à prier, commence à dire à Dieu que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que la bénédiction descende à ta vie. Je ne sais pas ton problème, mais la parole nous dit que le Saint-Esprit, il est la pluie, il est la pluie, il est la pluie, il est la pluie. Je sais que, oh oui, Père, que là où tu es, que tu es dans le désert, que tu es dans le désert, tu as besoin d'eau, tu as besoin d'eau, qui est le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens donner solution à mon problème. Dis au Saint-Esprit, je suis déshydraté, je suis déshydraté, je suis sec, mais j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau. C'est toi qui es l'eau vive, car la parole nous dit, Christ a dit à la femme samaritaine, c'est moi l'eau, quand tu boiras cette eau, tu auras plus soif, comme nous aujourd'hui, on a des
problème, on a des difficultés. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'eau, qui donne solution à tout problème. Mon frère, prie, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur Dieu, Père, nous t'implorons, Père. Papa, tu nous as recommandé de jeûner et de prier, et de jeûner et de prier. Père, nous sommes réunis, moi et ton peuple, Père. Papa, oui, Père de gloire, nous voulons, oh Seigneur Dieu, oui, Père de gloire, que tu étends ta main, que tu viens à notre secours, que tu déploies ta main puissante à notre problème. Oh Seigneur Dieu, Père, viens agir, viens agir, viens agir, Papa. Oh Seigneur Dieu, que notre bel lieu, que notre bel lieu, que notre bel lieu, mon frère là où tu es, commence à implorer Dieu, commence à implorer Dieu, commence à inviter Dieu, du lit. Oh Seigneur Dieu, Papa, je t'invite à mes problèmes. Oh Papa, Papa, je t'invite, Père de gloire, tu connais mes pleurs, tu connais mes problèmes, Seigneur Dieu. Seigneur, viens agir. Seigneur, viens agir. Mon frère, là où tu es, c'est nous les seuls qui manquent jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes craints, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, mon frère, quand tout est agité. Parce que nous savons, nous avons un Saint-Esprit. Nous avons un Consolateur. La parole nous dit, ô Seigneur Dieu, qu'il enverra un autre Consolateur. Le Saint-Esprit sera avec nous. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Mon frère, commence à prier là où tu es. Mon frère, prie là où tu es. Parce que tu n'es pas seul. Il veut t'entendre. Il veut écouter tes cris. Crie devant ton Dieu. Crie devant ton Dieu. Dis à Dieu de donner solution à tes problèmes. Mon frère, je ne sais pas tes problèmes. Mais je vais te dire ce soir que Dieu, il est assis à la droite du Père. Qu'il est ressuscité entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Il veut t'entendre. Il veut écouter. Il veut prendre tes problèmes. Il veut prendre tes charges. Oh Seigneur notre Dieu, Père, tu es pour sa présence. Mon frère, prie là où tu es. Mon frère, prie là où tu es. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je suis incapable. Je suis incapable. Je suis incapable, Père. Mon frère, prie devant Dieu. Mon frère, prie devant Dieu. Dieu avait posé la question. Avait posé la question. Oh Seigneur Dieu, oh, à son serviteur. Avait posé la question à son serviteur. Oh Papa, il a posé la question. Est-ce que, oh, il perd de gloire, c'est aux semences que vivront-elles? Oh Seigneur Dieu Père, mon frère, je te pose cette question. Je te pose cette question. Oui, Père de gloire, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ton problème pourra-t-il trouver solution? Est-ce que tes pleurs pourront cesser? Est-ce que ta maladie pourra trouver la guérison? Mais je vais te dire, mon frère, ce n'est pas toi qui donne la guérison. Ce n'est pas toi qui donne la bonne santé. Ce n'est pas toi qui donne la paix. Ce n'est pas toi qui donne, oh Seigneur, de la restauration. Mais il n'y a que Christ. Voilà pourquoi il t'invite ce soir. Voilà pourquoi il te dit. Il te dit de t'approcher devant lui. Il te dit de t'approcher devant lui. Il s'approchera aussi de toi. Oh Seigneur Dieu, Papa, nous t'implorons, Papa. Ben, écoute-nous ce soir. Écoute-nous ce soir. Ben, je ne sais pas le problème de ma soeur. Mon frère, prie là où tu es. Mon soeur, prie. Mon frère, prie. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Qui a les oreilles? Qui entend? Qui entend? Ton Dieu a un cœur. Ton Dieu a un cœur. Il veut seulement, oui, Père de gloire. Il veut seulement que tu cries. Voilà pourquoi il a posé la question. Il a posé la question à son serviteur. Le livre de Ézéchiel, chapitre 37, au troisième verset. Il lui a demandé, l'Éternel dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils vivre? Ces hommes pourront-ils vivre? Dieu voulait seulement que l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu participe à la gloire de l'Éternel, de te donner cette opportunité. Voilà l'opportunité qui t'est donnée de t'approcher devant toi, de t'approcher devant ton Dieu, lui dire au Seigneur, lui relater au Père de gloire, lui raconter, oui Père, ce que tu as de traverser. Dieu veut t'aider, Dieu veut restaurer ta vie. Voilà pourquoi il t'a dit qu'il ne te laissera pas seul, il t'enverra un autre conseil.
consolateur, qui est le paraclet, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il écoute, il a les oreilles, il entend, parce que la parole nous dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira. C'est une personne. Oh Saint-Esprit de Dieu, il est venu pour toi. Il est venu uniquement pour toi. Il est venu faire ce que Dieu faisait. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. La parole nous dit, Papa, la parole nous dit, Seigneur, tu étais avec le disciple. Tu as marché avec le disciple dans la gloire. Aujourd'hui, Père, l'Église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de toi. Tes servantes ont besoin de toi. Oh Seigneur, comme au jour de notre foi, la parole nous dit que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit si tout est cher. Je répandrai mon esprit si tout est cher. Oh Seigneur, Père t'a dit, tes fils et tes filles prophétiseront. Mon frère, commence à prophétiser. Commence à parler pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Oh Seigneur Dieu, Père, nous t'implorons. Papa, nous t'implorons. Oh Seigneur Dieu. Seigneur, on a besoin de toi. 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 L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. On a besoin de délivrance. Père des livres. Père des livres, Père. L'Église. Délivre l'Église. Délivre l'Église, Père. Oh Seigneur Dieu. Mon frère prie là où tu es. Dis à Dieu de venir renouveler, de venir toucher, de venir changer. Mon frère, ta situation, elle a beaucoup duré. Ton problème a beaucoup duré. Toi-même, t'as essayé, mais tu es capable de trouver solution. Voilà pourquoi Dieu te donne cette opportunité. Seigneur, tu es pour sa présence, Seigneur. Père, tu es pour sa présence, Seigneur Jésus. Père, tu connais mes problèmes. Père, tu connais ma situation, Seigneur. Père, tu connais la situation de mon frère et ma soeur. Père, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes venus devant toi. Tu nous as dit de nous approcher devant le trône de grâce de l'Éternel. Nous approchons de toi, oh, de ta grâce avec assurance. Nous sommes approchés devant le grâce de grâce, Père. Nous sommes approchés devant le trône de grâce, Père. Papa, la grâce de Dieu, c'est le bienfait de l'Éternel. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, oui, Père. Il y a une personne qui voit, qui a entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, il veut voir ta gloire, Seigneur Dieu. Père, tu es où, ô Seigneur? Père, tu es où, notre roi, Père? Tu es où pour ma soeur, oui, Père, qui est en train de crier, Papa? Mais la parole nous dit, tu n'es pas loin de nous. Mais tu es le rocher, oui, Père. Le rocher, oui, Père de gloire. Là où sort l'eau pure, Père. Là où sort l'eau vivante, Père de gloire. L'eau intarissable, c'est toi, Père. C'est toi qui es venu, oui, Père. Venu couler l'eau, Père de gloire. Pour donner la fraîcheur. Pour donner un nouveau élan. Pour donner un nouveau élan dans la vie de ma soeur et mon frère. Oh mon Dieu, c'est pourquoi nous t'implorons. Seigneur, c'est pourquoi nous t'invoquons. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur Dieu, Père, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, Seigneur, Père, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Mon frère, prie, aujourd'hui nous sommes venus prier, parce que, oh Seigneur, la parole nous dit de prier sans cesse, et point se relâcher. La parole nous dit, point de repos pour ceux qui rappellent l'Éternel. Commence à rappeler ton Dieu, rappelle-lui de ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu a dit de ta famille, de la situation de ta soeur, de ton frère? Qu'est-ce que Dieu a dit? Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Papa. Père, nous t'invoquons, Seigneur. Le Dieu d'Élie, nous t'invoquons. La parole nous dit, nous sommes même nature qu'Élie. Nous sommes même nature qu'Élie, Père. Nous sommes même nature qu'Élie, Yahweh. La parole nous dit, Seigneur, la prière fervente, une très grande efficacité.
Père, Élie a dit que la pluie cesse, la pluie a cessé. Nous aujourd'hui, Père, nous sommes venus devant toi, Père, comme Élie devant le prophète de Baal, Père. Seigneur, oui, Père, Élie avait invoqué ton nom et tu t'es manifesté, ô Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous t'invoquons aussi. Aujourd'hui, Père, nous t'implorons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. La parole nous dit, Seigneur Dieu, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Aujourd'hui, Père, nous venons pas, Seigneur, oui, Père, à cause de notre force. Nous venons pas, Seigneur Dieu, avec un mandat des hommes, mais nous venons, Seigneur, avec ton mandat. Nous venons, Seigneur, avec ton mandat. Père, tu nous as investis dans ton royaume, Père, pour déclarer tes grandes choses, pour déclarer le miracle de Dieu, pour déclarer au Seigneur une année de grâce de l'Éternel. Voilà aujourd'hui, mon frère là où tu es, commence à prophétiser, commence à déclarer, parce que tu es un fils, tu es une fille de la promesse de Dieu. Oh mon frère prie, parce que tu n'es pas une personne quelconque. Voilà, Dieu a dit à Pierre, Pierre qui était roseau, il a dit, tu es Pierre, mon frère là où tu es, Dieu te reconnaît, que tu es une fille, tu es un fils de la promesse de Dieu, je vais te dire, mon frère, je vais te dire de proclamer ces promesses. Commence à déclarer la parole de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Mon frère prie, aujourd'hui, nous voulons toucher le cœur de Dieu, car la parole nous dit que ta foi t'a sauvé. Mon frère, tous ceux dans la Bible qui ont trouvé la grâce de Dieu, ils ont payé un prix. Rappelons-nous, Père, de la femme de perdre le sang, cette femme n'avait pas regardé sa situation, mais cette femme s'est approchée de Dieu. Toi aussi aujourd'hui, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton problème, mais approche-toi de Dieu, parce que le Dieu là, il connaît ta foi, il connaît ton problème, mais ce que Dieu te demande de t'approcher seulement. Approche-toi comme la femme au porte de sang. Oh Seigneur Dieu, cette femme là n'avait pas regardé la durée de son problème. Cette femme-là n'avait pas regardé son impurité. Cette femme-là n'avait pas regardé la foule, Père, qui était devant elle. Mais elle a traversé jusqu'à ce qu'elle a touché le vêtement de Christ. Toi aussi, mon frère, là où tu es, Dieu veut que tu nous touches. Touche le cœur de Dieu. Touche-lui, mon frère. C'est pas seulement priant, mais en ayant confiance en Dieu, en ayant l'assurance. Oh Seigneur Dieu, Père, nous sommes rassurés parce que ta parole ne ment pas. La parole ne ment pas, mais la parole déclare que le troisième jour, Père, tu es ressuscité. C'est toi, Père, notre sabbat, c'est toi notre Pâques, c'est toi notre fête, Père. Oh Seigneur Dieu, oh lui, Père de gloire, mon frère, où tu es, profite de l'occasion, profite de l'opportunité t'est donnée. Prie là où tu es, mon frère, prie là où tu es, l'occasion t'est donnée. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh mon frère, il ne faut pas te limiter, il ne faut pas voir la situation, il ne faut pas voir la grandeur de ton problème, il ne faut pas voir l'ennemi qui est devant toi, il ne faut pas voir les géants qui sont contre toi, il ne faut pas voir tes adversaires, mais ce que je vais te dire, lève-toi, mais compte sur Dieu, regarde sur la croix, la parole nous dit que aujourd'hui, Christ n'est plus dans le monde, il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité avec tes problèmes, il est ressuscité avec ta maladie, il est ressuscité avec ta
situation. Il est ressuscité avec, oh Seigneur Dieu, tout ce qui t'entoure, mon frère. Oh mon frère, ne pleure pas, ne pleure pas, parce que tes pleurs ne peuvent pas, oh Seigneur, toucher le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ta foi. C'est ta foi, mon frère. Et confiance à l'Éternel. Si tu crois que Christ est ressuscité entre les morts, tu verras aussi l'œuvre de la résurrection. Si tu crois que Christ est capable de faire, tu verras aussi le mystère, le oh Seigneur Dieu, les possibilités de Dieu. Oh Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur oh Dieu. Seigneur, tu vois. Père, tu nous vois dans ta gloire, Seigneur Dieu. Père, tu nous vois dans ta gloire, Seigneur Dieu. Père, quand Israël avait crié, t'avais entendu, t'as dit, j'ai eu Père, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Mais aujourd'hui, Père, écoute le cri, Papa, d'une personne, Père, qui est longtemps dans des problèmes. Écoute le cri d'une soeur, d'un frère, qui est longtemps dans des problèmes. Écoute le cri, Papa, écoute quelqu'un, écoute-nous ce soir, Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. Oh Seigneur. C'est vrai, Seigneur Dieu. Père, Père, c'est vrai. Mon frère prie. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Seigneur, c'est vrai. Papa, Seigneur, nous sommes libres. Seigneur, nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes libres, Seigneur Dieu. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mon frère, là où tu es. Mon frère, là où tu es, je veux maintenant que tu pries. Mon frère, c'est toi qui es capable de changer la situation. Prie maintenant pour ta famille. Prie maintenant pour ta famille. Prie maintenant pour ton église. Prie maintenant pour le frère et soeur qui sont incapables. Parce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu qu'il intercède pour les eaux desséchées. C'est l'homme de Dieu qui avait prié, qui avait prophétisé. Donc Dieu veut aussi que toi aussi tu participes à la délivrance de ta famille, à la délivrance de son peuple, à la délivrance de l'église. Prions maintenant là où nous sommes. Prions pour la délivrance de l'église. Dis à Dieu de changer la situation de l'église actuelle. Dis à Dieu de soutenir l'église car il a dit dans sa parole que les séjours de mort ne pourvoleront pas à l'église, mon frère. Dis à Dieu de venir soutenir l'église malgré les persécutions, malgré les injures, malgré les filtrations, malgré les œuvres du diable. Mais l'église existe. L'église combat le bon, combat la foi. L'église subsiste. L'église tient fort. L'église tient bon. Commence à prier. Commence à prier, mon frère. Je ne sais pas, oh mon frère, ce que Dieu te dit. Je n'ai pas la situation de ton pasteur. Je ne sais pas la situation de ton frère et soeur, mais ce que Dieu te recommande, c'est dit, oh Seigneur Dieu, comme il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvrirais dans la terre sera ouvert dans le ciel, ce que tu fermerais dans la terre sera fermé dans le ciel. Donc Dieu veut faire avec toi, Dieu veut t'utiliser pour la gloire de son royaume. Commence à prier, commence à intercéder, commence à intercéder pour ta famille, mon frère. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton église. Je ne sais pas ce qui te passe, oh oui, Père de gloire, dans la vie de tes enfants. Mais ce que Dieu te recommande, c'est pour les prier. Commence à prier. Prions tous au nom du Seigneur. Commençons à intercéder. Oh Seigneur notre Dieu. Père, nous te prions, oh Seigneur. Car la parole nous dit, Seigneur, que tu viendras prendre une église glorieuse. Une église glorieuse, Père, une église sans tache ni ride, une église prête, Père. C'est pourquoi nous t'implorons, oh Seigneur Dieu, prépare l'église, Père, prépare l'église à ton nom, oh Père de gloire, à ta rencontre, Père. Prépare l'église, Père, parce que le jour, oui, Père, sont proches, Père. Le jour, oui, Père de gloire, et ton retour est proche, Père. Oh, Seigneur Dieu, nous t'implorons, Seigneur, nous t'implorons, ô grand roi. Père, prépare-nous, Seigneur, prépare-nous, oui, Père. Oh, Seigneur Dieu, Père, sanctifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, Père. Lave-nous, ô notre Dieu. Lave-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, prépare ton peuple.
Mon frère prie. Mon frère prie. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il vous donnera un cœur nouveau. Il mettra en vous un esprit nouveau. Il ôtera dans votre corps un cœur de pierre. Il vous donnera un cœur de chair. Il mettra en vous un esprit. Il fera en sorte que vous suiviez ses ordonnances et vous observiez et pratiquiez ses lois. Mon frère commence à prier. Commence à prier pour le saint, mon frère. Nous ne sommes pas là pour injurier. Nous ne sommes pas là pour condamner ni juger. Mais nous sommes là pour intercéder. Mon frère, tu connais ton frère, ta soeur qui est tombée. Ce n'est pas un sujet de moquerie. Ce n'est pas un sujet de scandale. Mais un sujet de prière, mon frère. Mon frère commence à prier. Prie pour le saint, oh Seigneur Dieu. Prie pour ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu. Mon frère, prie pour le rétrogradé. Ceux qui sont rentrés derrière. Mon frère, prie pour le saint, mon frère. Prie pour le perdu. Prie pour le perdu près de la main de l'éternel. Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Père, tu es venu changer, Père, nos vies. Seigneur, visite nos frères et soeurs. Papa, visite le frère et soeur, papa. Papa, voilà le frère qui a abandonné ton chemin. Seigneur, tu connais nos souffrances. Tu connais nos persécutions. Père, tu connais nos erreurs. Tu connais nos insuffisances, oh Père. Tu connais nos faiblesses, oh Père. Mais nous venons devant toi, Seigneur. Père, fortifie l'Église. Fortifie le saint. Fortifie le corps de Christ. Fortifie tes serviteurs. Serviteurs, Seigneur Dieu. Mon frère, prie. Mon frère, prie. Parce que notre Seigneur est capable de reconstruire. Il est capable de rebâtir. Il est capable, ô Seigneur Dieu, de faire de nouveau. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, bâtis l'église de Dieu. Seigneur, oui, Père, va toucher le cœur. Seigneur, prie. Mon frère, prie là où tu es. Mon frère, prie là où tu es. Viens de poser la question à son serviteur. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je te pose encore cette question de savoir est-ce que l'Église reviendra-t-elle encore? Est-ce que ton frère reviendra-t-il encore à l'Éternel? Est-ce que ton frère suivra-t-il encore le chemin de Dieu? C'est que Dieu veut que tu participes à son changement. C'est que Dieu te recommande. Il veut t'associer à ce qu'il va faire. Ce n'est pas toi qui vas faire cela. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais ce que je te demande, c'est moi de prier. Mon frère, regarde le couple qui vit dans le péché. Regarde nos familles qui vivent dans le péché. Regarde le frère et soeur qui vit dans le péché. Papa vient soutenir. Papa vient délivrer. Viens délivrer, mon frère. Mon frère, la parole nous dit de les délivrer, c'est le don. Amen. La mort pour égorger. Mon frère, tu vois le soeur et frère. Tu vois comment le diable est en train d'amener des brebis, oui, Père de gloire, à la berger, oh Père de gloire. Oh Seigneur, oh Père de gloire. Nous voyons comment le diable est en train d'amener le brebis vers l'abattoir. Pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais qu'est-ce que tu es de frère? Qu'est-ce que tu es de faire, mon frère? L'homme de Dieu te dit que tu es une sentinelle. Tu es un intercesseur. Seigneur Dieu. Prions maintenant, mon frère. Demandez à Dieu de donner la paix. De donner la paix, mon frère, quand on dit la paix, c'est la réconciliation. Quand on dit la paix, c'est la restauration. Quand on dit la paix, c'est l'assurance de Dieu. Commence à prier là où tu es. Demande la paix de la porte de Jérusalem. Demande la paix dans nos familles. Demande la paix dans nos santé. Demande la paix dans nos finances. Prions tous au nom du Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, la parole nous dit Seigneur, oui Père, de nous inquiéter de rien,
mais en toute chose de faire connaître à Dieu par de prières et de supplications avec action de grâce. Et Dieu nous accordera la paix qui supporte toute intelligence, Yahweh. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi, oui, Père de gloire. Seigneur, nous tournons vers toi, Seigneur. Père, nous voyons l'Est du Congo, ô Seigneur Dieu, oui, Père. Là où la paix, Papa, accorde la paix. Papa, nous voyons l'Ukraine, oui, Père de gloire. Il y a la guerre, Papa, nous te demandons la paix. Père, nous voyons des conflits par-ci, par-là. Dans nos familles, n'en parlons même pas, Père de gloire. Mais viens restaurer, viens donner la paix, ô Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu es le seul qui peut faire. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Père, amène la joie dans nos cœurs. Père, amène la joie, Seigneur, qui était perdue. Seigneur, amène la joie dans le cœur d'une personne. Seigneur, amène la joie dans le cœur d'une personne, Papa. Console une personne, Père de gloire, qui est dans la tristesse, Papa. Console quelqu'un, Seigneur, qui est désespéré, Père de gloire. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi, Papa, qui peux restaurer nos âmes. Il n'y a que toi qui peux donner la bonne santé, Seigneur Dieu. Père, Seigneur, nous t'implorons. Merci, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci, Seigneur. La parole nous dit, Seigneur, Papa, c'est toi qui es fidèle et juste. C'est toi qui nous a appelés. Et c'est toi seul qui va accomplir, Papa. Tu vas accomplir tes promesses dans nos vies, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous a appelés. Papa, tu nous connais, Père de gloire. Tu nous connais par nos noms, ô Seigneur Dieu. Comme tu nous connais, Seigneur, tu nous feras marcher, Seigneur, vers les eaux paisibles. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Accomplis ta promesse, tes promesses dans nos vies. Accomplis tes promesses dans nos vies, Seigneur. Accomplis ta parole dans nos vies, Seigneur. Accomplis ta parole, Saint-Esprit. Glorifie la parole de Christ dans nos vies, Seigneur Dieu. Glorifie-toi, ô Seigneur notre Dieu. Glorifie-toi, ô Seigneur notre Dieu. Dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Qui a besoin de toi, Seigneur Dieu. Qui a entendu parler de ta parole. Qui a confiance en toi, ô Seigneur. Père de gloire, nous nous tenons comme Habakkouk. Nous nous tenons comme Habakkouk, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te supplions, Papa. C'est toi le consommateur de notre foi. Papa, tu sais combien on a confiance à ta parole. Tu sais combien nous espérons à ta, ô Seigneur, à ta promesse. Tu sais comment, Seigneur, oui, Père, nous attendons, Seigneur. Seigneur, oui, Père de gloire. Comme une femme, Papa, entend l'accouchement, Seigneur. C'est nous sommes patients, Seigneur, oui, Père, par rapport, Seigneur, à tes problèmes. Oh Seigneur, oui, Père de gloire. Papa, accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses, ô notre Dieu. Parce que tu es le même aujourd'hui éternellement. Père, tu avais promis à Israël la restauration. Tu avais promis à Israël la restauration, Papa. Tu avais promis, Seigneur Dieu, oui, Père, la paix. Tu avais promis les bénédictions à ton peuple, Papa. Papa, c'est le moment de les accomplir, Papa. Comme la parole nous dit, Seigneur Dieu, au temps convenable, Papa, tu nous accorderas, Seigneur Dieu. Voilà, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Seigneur Dieu. Comme tu as dit dans ta parole, ô Seigneur Dieu, de venir vers toi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, de charger sur toi tous nos soucis. Et toi, c'est tu prendras soin de nous, Seigneur.
prends soin d'une personne qui est venue devant toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es roi. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, on a prié devant Dieu. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi. Parce que c'est la foi qui fait que nos prières soient efficaces. C'est la foi qui fait que nos prières soient activées devant notre Dieu. Parce que la parole nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que Dieu voit, ce n'est pas nos pleurs, ce n'est pas nos lamentations, mais Dieu veut que nous ayons foi en lui. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est le fait d'être sûr que Dieu peut faire encore. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. La foi, c'est quoi? De ne pas voir les circonstances, de ne pas voir ce qui se passe, mais fixer toujours les yeux vers l'Éternel, d'où vient le secours. La foi, c'est quoi? C'est malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les années, mais moi, je persévère toujours parce que je suis sûr que cette parole, elle est véridique. Nous sommes arrivés à la fin. Comme Dieu écoute la prière de saint, comme Dieu te connaît, comme Dieu, il a un bon plan pour toi. Si tu crois, tu verras ça. Parce que le Dieu que nous sommes venus chercher n'est pas un fils de l'homme. Le Dieu que nous sommes venus chercher n'est pas un humain. C'est le Dieu créateur. Comme il a tout créé, il est capable de créer encore dans ta vie. Ce qui était disparu, ce qui était gâché, ce qui était détruit, ce qui était brûlé, ce qui était infertile, ce qui était improductif, ce qui était passif, Dieu est capable de les activer encore. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je te dis, comme Christ, il a tout vaincu à la croix, de la victoire, il est ta part. Comme le troisième jour, Christ est ressuscité les morts, Christ est vivant. Comme il est le Pâques, célèbre Christ dans ta vie, sois avec lui, demeure avec lui, et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour clôturer. Merci Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à remercier Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Dis-lui un grand merci. Sois reconnaissant à Dieu. Le Dieu qui t'a écouté. Le Dieu qui a exaucé tes prières. Il a dit, avant que nous prions, il connaissait déjà nos besoins. Avant que tu demandes, Dieu connaissait déjà tes besoins. Mais le fait de te présenter devant la face de Dieu, le fait de t'humilier devant Dieu, Dieu t'a exaucé. Prions pour clôturer. Éternel grand Dieu, Père, merci. Papa, Toto Dieu, Papa, Tokumisio. Seigneur, merci Seigneur pour la réunion d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour la prière d'aujourd'hui. Comme la parole nous dit, tu es assis à la droite du Père. Père, c'est toi qui intercède pour nous, Seigneur. C'est toi qui plaide pour nous. C'est toi, oui, Père de gloire, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Par toi, Seigneur, on a tout. Comme la parole nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous sommes sûrs en que tu as tout fait pour ta gloire. Nous sommes rassurés que tu nous as bénis de ta gloire.
Nous sommes convaincus que nous avons tout en ton nom. On a ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Accord pour notre ton Dieu. Passe un bon moment de fête de Pâques. Retrouvons-nous encore le dimanche à partir de 13h jusqu'à 14h30. Nous, c'est la plateforme Parole de Vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye bye. God bless.